Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare depuis Montreux en Suisse. Je vous présente aujourd'hui Carlos Pavicic, c'est ça, j'ai pas détruit ton nom? Parfait. Yes. Voilà, alors Carlos, il ne fabrique pas des amplis, il ne fabrique pas des guitares, il ne fabrique pas des pédales, il fabrique des cordes. Et Dieu sait si on a besoin de cordes, parce que si on n'avait pas besoin de cordes, ça serait un petit peu compliqué. J'ai bien résumé? Exactement. Oublions que si une guitare n'a pas de cordes, c'est pas grand-chose. Bah oui, c'est ça. C'est tout de suite beaucoup moins utile, quoi. Bien sûr, au départ, c'est fut la corde. Bah oui. Parce qu'au départ, il y a certainement un chasseur avec son arc. Ouais. Il a remarqué qu'en faisant un bling, il y avait un son qui était chouette. D'accord. Et puis peut-être, bon... Après, il a pris l'arc de son copain et il fait « bon, c'est pas mal ». Tout a commencé par l'arc et la flèche. Alors. Exact. Donc, on va déjà dans le paléolithique. D'accord. Très bien. Je sens que l'interview va être très, très longue. Dis-moi, on va parler évidemment de ce que tu fais en tant que fabricant de cordes. Donne-moi ton avis sur le Montreux International Guitar Show. C'est un super rendez-vous. J'espère que ça va continuer, que ça va s'agrandir. Ouais. Parce que le décor est magnifique. L'ambiance est vraiment une ambiance comme les aime. Ouais. Il y a le côté humain, et les gens ils sont fabuleux. Ouais. Les organisateurs ils sont prêts à aider. À l'écoute. Ouais. À l'écoute, ouais, ouais. Et puis à aider n'importe quoi. Et puis sincèrement, on a eu de la chance. Hein, Tout à fait. J'espère que ça va continuer et ça va s'agrandir d'une façon beaucoup plus internationale. Ouais. Toi, tu fais beaucoup de salons. Tu as fait beaucoup de salons. J'ai fait Shanghai, j'ai fait. C'est la grosse Armada, elle est très gros. Ouais. Et le Nam Show. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.